bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo présentation d'album. Je n'ai pas fait de tuto parce que ce sont des albums que j'ai dû faire assez rapidement et j'avais pas le temps de me poser pour vraiment vous montrer les choses, mais ils sont très simples à faire. J'en ai fait deux, pratiquement identiques, à quelques décorations près. Je vais vous montrer ça donc tout de suite. Alors, je pense qu'ils sont terminés, je vais les donner tels quels. J'hésitais à faire des petites étiquettes à l'intérieur, mais j'ai peur que ça fasse beaucoup. Donc on va se contenter de ça et ça sera déjà très bien. Alors, j'ai utilisé les collections de Laura by Laura Baby M. C'est une collection avec des tons bleus, roses, enfin dans des tons pastels et avec ici des découpes de vêtements d'enfants, de fleurs, etc., etc. Je me suis inspirée d'un tuto qui existe, enfin pas d'un tuto, d'une vidéo présentation tuto quand même, qui existe sur YouTube. Je vous remettrai le lien si j'y pense. Pour un petit peu m'inspirer de ce modèle là. Donc ici j'ai fait un petit calque. Et là on a donc des photos. J'ai prévu les espaces pour l'épaisseur sur les pages où il y en aura, donc celle-ci. Là on a le tampon de chez Action. Ici c'est des petites décos aussi de chez Laura by Laura. Alors là, je l'ai fait comme ça et c'est le seul que j'ai fait comme ça. Les autres, je ne les ai pas faites du tout de la même manière. Voilà. Je vous montre les pages. Donc, sur la page de droite, on aura toujours une photo classique, une grande photo. Et mon album fait 20 par 20. C'est un album qui est une structure de chez FDECO. Alors il est assez simple dans sa composition, mais il a été long à faire. Donc là c'est simplement les petits carnets, les petits livrets. Donc avec ici une photo et là on pourra écrire des petits souvenirs, des petites choses. Vous avez la première année de bébé. Donc j'ai un petit peu monté pour éviter de la surépaisseur aux mêmes endroits. Là, des tampons de chez Chou & Fleur. Ici c'est tampons d'Action, les ateliers de Karine. Chou & Fleur. Tac. Ça. On a ça. Et voilà. Donc voici donc le premier album et le deuxième, je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de vous le montrer de mémoire, j'ai pas changé quoi que ce soit. Non, normalement ce sont les deux mêmes, voilà. Donc c'était une petite vidéo très rapide pour vous montrer simplement ce qu'on pouvait réaliser avec donc simple avec des pages volées, des pages de différentes tailles. Là vous voyez c'est un peu écrasé mais c'est parce qu'il n'y a pas de photo, mais sinon l'espace c'est les 0,5 qui sont prévus hein, à chaque fois. Ouais, ça tombe, c'est tout, mais sinon c'est vraiment ça. Voilà, quoi vous dire de plus. Voilà, j'espère que ces petits albums plairont et puis de toute façon ils sont faits, donc pas le choix. Sur ce je vous laisse, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos hein. Là on va essayer de reprendre le rythme classique on va dire et puis bah voilà, j'espère que vous allez bien. Nous ici c'est un petit peu compliqué, le super Covid s'est emparé de la maison, donc on survit. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, bye bye.